Bonjour, Johan, Gaëtan, de ANV COP 21, Action non violente COP 21 Gironde. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites là donc cet après-midi sur les quais? Alors, l'idée est justement de former des personnes qui ne connaîtraient pas ce qu'est ANV COP 21, leur dire pourquoi on est là, comme vous par exemple. Et justement, le message que l'on a, c'est de se dire on est en relation avec, pour lutter contre les responsables du changement climatique, cette action-là. Et le but, c'est de se dire, comme le gouvernement ne va pas changer les choses, c'est à nous de nous prendre en main et de voir comment on peut faire pour agir, tout simplement. Et quel rapport donc avec les gilets jaunes, puisque je vois que vous portez aussi des gilets jaunes? Ouais. Et bah, le rapport, c'est qu'on a un petit peu le même adversaire. D'accord. C'est Macron, Macron qui... enfin, c'est Macron. C'est pas que Macron, disons que Macron, c'est le dernier avatar de ce système, quoi. Ce système qui appauvrit les plus pauvres, qui enrichit toujours les plus riches. Et donc, dans le cas des gilets jaunes, ils se sont dit « Oh, on va faire une taxe sur le carburant parce qu'on fait tellement de cadeaux fiscaux sur les riches qu'il va falloir trouver la thune ailleurs. » Et nous, bah, pareil, on dénonce les responsables du changement climatique qui détruisent le climat au détriment de ceux qui n'ont pas détraqué. Elle était vraiment pas synthétique cette phrase. Là, c'est juste pour dire que ce sont les mêmes responsables. Et que ceux qui sont les plus touchés, bien d'accord, sont souvent les plus pauvres. Et donc, qu'est-ce que propose votre association comme solution? Alors, pour quel souci? Ben, non, on a la solution pour tout. Alors, tu veux? Allez, vas-y. Et donc l'idée, ça peut être quoi? C'est-à-dire se dire que le message de marcher comme ça dans la rue, c'est de notre point de vue pacifique. Mm-hmm. C'est de faire réfléchir également à la notion de qu'est-ce que la violence. On est à quoi? On s'appelle action violente. Et c'est de faire réfléchir là-dessus aussi. Tu veux pas? Violence physique et psychologique. L'ensemble des choses. Donc voilà. Ensuite, c'est également se dire comment on peut faire des actions pour sensibiliser les personnes par rapport au climat, par rapport au social, de montrer qu'il y a un lien entre chacune de ces luttes. Et de voir comment on peut s'organiser au mieux. C'est également de voir que la formation à la désobéissance, toujours en action non violente, bien sûr. C'est vraiment toutes ces actions-là, ça peut être de faire de la culture populaire auprès des gens qui sachent un peu mieux de quoi ils parlent. Alors ça peut être aussi bien de parler du riz, aussi bien du climat, tout un tas de choses. Ça peut être également de voir comment s'organiser le plus possible. Ça peut être également de voir comment communiquer sans passer par des réseaux qui sont surveillés. Ça peut avoir énormément d'éléments positifs, enfin de manière de pouvoir être de plus en plus performant. Et je vais vous donner une des raisons pour laquelle moi je suis allé dans ce mouvement-là, c'est-à-dire que j'ai en grande partie des parents des gilets jaunes, et que je me suis dit que c'était pas très efficace pour l'instant, qu'il y avait plus efficace que juste marcher dans la rue et essayer de porter nos revendications. Et de mon point de vue, on va dire que le gouvernement sent bien que de toute façon ne changera pas, on aura beau faire des pétitions, on a beau voir la dernière pétition qui est l'affaire du siècle, qui a été signée par plus de 2 millions de personnes, mais ça ne changera rien. Donc à un moment donné, si on veut changer les choses, on est obligé nous-mêmes d'agir. Et je pense qu'attaquer une des équipes capables d'être plus en plus performantes, c'est là où on va agir.